Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors écoutez, franchement, ça y est, je me suis organisée, j'essaie de filmer des trucs en avance. Non, je plaisante, je sais juste que là j'ai un tout petit peu de temps pour le faire parce que j'ai pris un jour de repos. Alors c'est pas vraiment un jour de repos, hein. Vous savez, quand on prend un CP ou un RTT, généralement c'est pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste du temps. Donc là, en l'occurrence, c'est ça, petite histoire. On a enfin acheté un lit. Ça faisait 20 ans que j'avais celui que j'ai. Et ça doit faire 6 ou 7 ans que je dors en gros dans un trou. Et je crois que mon mari a fini par avoir pitié de moi. Et on a fini par aller acheter un lit. Et donc, forcément, il faut ranger la chambre pour le nouveau lit. Voilà, donc c'est mon programme du jour. Après, bien évidemment, cette petite vidéo. Et ça va être une petite vidéo rapide. Et je me suis dit qu'il pourrait être un peu fun et peut-être un petit peu utile pour vous. Et en gros, c'est les produits ou techniques qui ont changé la manière dont je fais mon maquillage et qui, franchement, m'ont fait passer d'un cran. Moi, je sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune, en gros, c'était de la BB crème, du mascara, et on sort. Maintenant, c'est un petit peu plus évolué. D'ailleurs, si vous voulez retrouver le make-up que j'ai aujourd'hui, je vous invite à consulter ma vidéo de la mini-revue de la Glam Palette de chez Natasha Denona, où je vous fais justement ce que je porte aujourd'hui. Sans plus tarder, on démarre avec ces petits trucs, ces techniques ou ces produits qui ont vraiment changé la donne pour moi en termes de longévité du maquillage que je porte et aussi en termes de rendu, donc plus vibrant, mieux travaillé. Ce genre de choses. Alors la première chose, et c'est la base, paupières. Alors moi j'utilise la base P. Louise numéro 2, c'est celle qui ressemble le plus à mon grain de peau, elle est pas très très claire. Vous pouvez utiliser celle qui vous convient, vous pouvez aussi utiliser un anti-cerne, voire même votre fond de teint. Ce qui compte en fait, c'est vraiment en tout cas, pour moi, ce qui a changé la donne, c'est de fixer en fait mon fard à paupières. On me demande souvent, notamment mes coéquipières, parce que je fais du volet. Quand j'arrive à l'entraînement, c'est généralement la fin de ma journée, donc mon maquillage date du matin. Alors, il n'est pas d'une fraîcheur absolue, mais en tout cas, il est toujours bien présent, et notamment mes looks yeux sont généralement inchangé, et on me demande toujours comment je fais parce que moi mon fard il disparaît ou alors ça va de partout et tout. Ça, la base paupière et moi en plus je la fixe. Donc en gros, je l'applique sur ma paupière, je l'estompe avec une éponge et ensuite je la fixe avec une poudre. Le fait de la fixer, c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien la laisser humide dans le sens où vous venez de la poser et ensuite appliquer les fards, ils vont encore plus s'accrocher. Alors attention, en faisant ça, bien évidemment, ils accrochent plus, donc ça nécessite plus de travail. Comme vous le savez, je me maquille très tôt le matin et j'ai pas le temps pour ça. Moi, il faut que ça glisse. Donc, je fixe ma base, mais en tout cas, avoir une base pour les fards, ça change tout. On gagne en intensité au niveau des fards, ils ressortent beaucoup plus. En plus, on a une base dans un sens qui est complètement plate. On n'a pas de vénule, on n'a pas de rougeur. On a une surface qui est complètement homogène et donc ça facilite du coup le travail des différentes couleurs, même des couleurs comme aujourd'hui qui sont des couleurs très neutres, ressortent beaucoup plus si vous utilisez une base. Deuxième petit outil cette fois-ci qui vraiment me change tout et je viens d'en parler, c'est une éponge comme celle-ci. Donc ça c'est un beauty blender, alors il est propre, hein, il est juste un peu taché par la base, mais il est propre. Et donc ça vraiment. Ça a changé ma vie. Avec une petite astuce que je vais rajouter et je vous conseille d'aller voir le make-up artiste Wayne Goss. Il donne plein d'astuces et celle-ci, c'est la sienne. Donc rendons à César ce qui est à César. Mais en gros, une éponge. Donc déjà, ça se mouille. On n'utilise pas une éponge sèche. Moi, c'est ce que je faisais au début, je vous le dis, parce que c'est erreur du débutant par ici. Bon, au début, j'utilisais l'éponge sèche, j'étais là genre. Non, franchement, c'est pas, je suis pas fan en fait, je préfère user mes mains. Et j'ai fini par avoir une vidéo où on dit donc on mouille son éponge, on l'essore et après quand elle est un peu humide. Ah oui, non, alors oui, effectivement, oui. Ça change complètement la donne. Donc je vous conseille, si vous ne le faites pas, mouillez vos éponges. Donc vous les mettez sous l'eau, vous les pressez, vous enlevez un peu l'excédent d'eau et ensuite vous l'utilisez. Donc la mienne elle est mouillée, c'est pour ça qu'elle est un peu grosse. Hein, donc voilà, en plus elle les fait enfuir, donc on a une plus grande surface de travail. Je l'utilise donc pour
ma base paupière, mais surtout une petite étape additionnelle. Quand j'applique mon fond de teint, je l'applique en fait au pinceau. Et quand on applique son fond de teint au pinceau, en gros, on déplace le produit et on peut avoir des coups de pinceau. Et ça, c'est pas top. Même si on fait ça bien, on peut voir des petits traits. Et donc ça, c'est la technique de Wingos. Je prends les fesses de mon beauty blender, de mon éponge, et je vais venir tamponner de partout, en fait, encore une fois, pour homogénéiser l'application du fond de teint. Donc ça va en plus absorber un tout petit peu l'excédent qui pourrait être, on va dire, pas vraiment fixé, et vraiment venir marier le fond de teint avec la peau. Et franchement, ça fait une énorme différence. Si vous êtes comme moi et vous appliquez vos fonds de teint au pinceau, je vous conseille cette petite étape additionnelle. Ça prend 20 secondes de plus, mais franchement, le fond de teint, il tient plus longtemps, et en plus, vraiment, il est hyper bien réparti. On continue dans la gamme outils, et là-dessus, je vais être intransigeante avec vous. Mais franchement, ça change tout, et c'est des bons pinceaux. Alors là, c'est des pinceaux paupières, yeux, mais les pinceaux visage aussi, et moi, personnellement, c'est ce qui a tout changé pour moi. J'avais énormément de problèmes d'irritation sur les paupières. J'ai les paupières qui sont très fragiles, disons que je n'ai plus 15 ans, et j'avais de l'irritation, j'avais un petit peu d'eczéma, j'avais toujours quelque chose, j'avais toujours de la texture sur mes paupières, et je n'arrivais pas à résoudre le problème. Et j'avais beau tout essayer, changer les produits, rien n'y faisait. Et puis, il y a eu mon anniversaire, et ça faisait un moment que je rêvais d'avoir des pinceaux soignagés. Et donc, j'ai demandé pour mon anniversaire des pinceaux soignagés. Alors, ils sont très très chers, mais ce sont vraiment des pinceaux d'excellente qualité. Donc, c'est ceux-ci, hein, ceux qui ont... on voit rien. Voilà, ceux qui ont... Vous voyez les poignées bleues et rouges. Ça change tout. Dans l'application, dans le travail des fards, ça prend 2 secondes. Ils sont hyper doux, j'ai plus du tout de problème avec mes paupières, ça les gratte pas en gros, franchement pas de problème. Pareil, les pinceaux Wingos sont vraiment très 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 bien, mais également très très chers. Ceux qui sont pas mal, qui sont un peu moins chers et qui sont quand même très bonne qualité, c'est les pinceaux Marc Jacobs, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous les conseille. Alors attention, encore une fois, ils sont moins chers mais ils restent quand même assez onéreux, donc moi je vous conseille de commencer avec un pinceau comme celui-ci, qui est un peu un pinceau à tout faire. Celui-ci, c'est le Blender Pro. Voilà, pour travailler le fard comme ça, un pinceau comme ça pour les yeux, si vous faites des trucs très simples, ça suffit et ça fait à peu près tout. J'aime beaucoup aussi celui-ci qui est, vous voyez, plus petit, pour travailler le coin externe. Et après, un bon pinceau visage pour les produits poudre, ça change l'application, ça fait travailler le fard beaucoup plus facilement. Et on gagne du temps en fait, franchement c'est un gain de temps, donc si vous pouvez, ou en tout cas Noël approche, donc c'est le moment ou jamais, je vous conseille ce type de pinceau, des pinceaux de qualité, vraiment ça change l'application. On va retourner maintenant dans les gammes produits, et là c'est un petit produit dont je vous ai déjà parlé et que j'adore, qui pour moi fait toute la différence depuis que je l'ai découvert, et c'est le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. J'en ai parlé dans ma vidéo où je teste toute la gamme en gros. Ça, pour moi, ça, putain, mais ça, c'est une petite pépite. Alors, le mien est... Il est fragile, hein, on peut pas le faire tomber. Voilà. Donc, le mien a vraiment bien vécu, hein. J'ai même touché le fond du produit. Donc, voilà, hein. Je m'en sers tous les jours, à chaque fois que je me maquille. Et c'est ce que j'applique, en fait, au niveau de mes cernes pour venir... C'est un correcteur, donc pour venir corriger un petit peu cette zone. Et ça marche. Du tonnerre de Dieu. En tout cas, ça, c'est la teinte médium, la teinte 2. Pour quelqu'un comme moi, c'est top. Vous en avez des plus foncés, donc qui sont plutôt dans les gammes rouges, qui peuvent fonctionner, donc si vous avez vraiment une correction à faire qui est plus importante, ou si votre teint est beaucoup plus foncé. Vous en avez un qui est plus clair, alors le 1 est beaucoup trop clair pour moi. Je m'en sers, enfin, je l'ai vu, c'est pas adapté. Vraiment le 2, ça c'est une petite pépite. On termine encore avec un produit, celui-là c'est un produit de finition. Et c'est une poudre. Alors je vous montre la poudre Gucci parce que j'ai vu que ça y est, après 1 an je dirais, peut-être un peu moins, mais elle est enfin sortie en France chez Sephora. Et donc c'est celle-ci, j'ai la mienne en teinte 2 matte naturelle. Et donc ça pour moi c'est une poudre de finition. Donc la poudre de finition c'est ce que vous allez faire à la fin. Vous avez tout fait, vos yeux, votre fond de teint, votre anti-cerne, votre blush, votre bronzer, votre contour si vous en faites, votre highlight, la totale. Vous avez en gros terminé votre visage.
ça, c'est la petite touche en plus. Vous prenez une poudre, alors ça peut être une poudre pressée comme celle-ci, ou une poudre libre, selon vos préférences. Sur un gros pinceau, bien, bien fluffy, bien fat, vous le prenez et vous le mettez de partout. Et en gros, vous allez venir marier les produits ensemble, de manière très uniforme, et ça va vous donner un dernier voile, en fait, un peu floutant. Alors, en fonction des poudres, ça va être floutant, ça va être matifiant, ça va être un peu irisé. Il y a moyen de s'amuser avec ça. Moi, j'adore l'état poudre. Je m'amuse tous les jours avec un différent fini en fonction de mon feeling. Et vraiment, ça change tout. Ça permet en plus de fixer le fond de teint et donc vraiment d'avoir une meilleure longévité. Ce qui m'amène à mon dernier produit pour la longévité. Et ça, pareil, une étape indispensable, c'est la brume fixatrice. Alors celle-ci, c'est la brume Morphe. D'habitude, elle vient dans un packaging noir. Elle sent trop bon celle-ci. Mais vraiment, ça aussi, ça change énormément de choses. En tout cas, sur la longévité. Pas toutes les brumes valent le coup. Moi, j'ai celle de Hourglass aussi. Hein, j'en ai plusieurs parce qu'en fait, pareil, il y a différents finis avec les brumes. Vous en avez des matifiantes, vous en avez des irisées, vous en avez des floutantes. Voilà, c'est encore une fois, selon vos préférences. Mais dans tous les cas, ça vraiment, ça change tout, ça permet vraiment en plus de donner ce dernier voile en fait, qui donne cet air un peu airbrush en fait, hein, très photoshopé, même si bon, clairement on n'est pas photoshopé dans la vraie vie. Mais ça, franchement, alors celle de Morphe, je vous la conseille parce que déjà elle n'est pas hyper chère, je crois qu'elle fait 10, 16 ou 18 euros, un truc dans le genre. Vous pouvez la trouver sur leur site, ils livrent en France. Vous pouvez la trouver aussi, je crois, chez Beauty Bay, peut-être. Enfin bon, elle est disponible sur le site de Morphe, ils livrent en France, donc. Vous cassez pas la tête, donc ça, et puis bon, ça dure quand même assez longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et c'est trop top pour venir fixer le maquillage. J'aime aussi beaucoup celle de Glow Recipe, je dirais, qui sent la pastèque, celle-là je l'aime bien. Et j'aime bien aussi celle de Iconic London, alors celle-là elle est irisée, elle donne un petit côté... Je me suis baignée dans des paillettes, je suis une fée pailletée. Bon, c'est pas pour tous les jours, mais de temps en temps, j'aime bien. Et vous avez évidemment la OG, la première, la MAC Fix Plus. Alors moi, j'aime un peu moins maintenant la MAC Fix Plus parce que j'aime pas trop le spray. En fait, ça t'agresse. Alors que là, on est sur un espèce de voile parfait. Voilà, c'est beaucoup plus... ça vaporise, ça fait une espèce de petit... voilà, c'est toujours une étape agréable. Mais voilà, ça je vous le conseille parce que franchement, ça change quand même beaucoup de choses. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ben, peut-être vous avez appris des petites astuces ou vous avez découvert des produits que vous ne connaissiez pas. En attendant, s'il y a d'autres petites techniques qui vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous mettrai les liens vers les chaînes que ben, je regarde, notamment Wayne Goss, j'en parle beaucoup, mais franchement je trouve ce qu'il fait vraiment bien et voilà, il a des petits trucs et astuces, c'est toujours... alors c'est en anglais, mais voilà, c'est toujours hyper intéressant. En attendant, eh bien, si cette vidéo vous a plu, petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Bye bye !